Vous êtes exprimé sur Dieudonné dimanche dans l'émission de Laurent Veil. Vous voulez ajouter un mot aujourd'hui? Non, je veux pas répéter exactement ce que j'ai dit, mais je dois dire qu'il faut arrêter d'excuser de tourner autour du pot sous prétexte que Dieudonné a du talent et que ce qu'il dit sont des idées profondément antisémites. Je le soutiens, c'est des choses que je condamne. Et comme je l'ai dit chez Laurent, il n'est pas héritier d'une tradition de paix. Moi, je crois qu'il y a des Juifs et des Arabes qui veulent profondément la paix, j'en fais partie. Donc c'est ce chemin que je vise. Je peux tout à fait concevoir que quelqu'un peut remettre en question un schéma politique israélien, tout ce qu'on veut. Mais dès qu'on touche à la légitimité d'Israël ou qu'on parle d'antisémitisme, je ne suis pas d'accord. Mais je suis ouvert. Et je pense qu'on peut être pro-palestinien, pro-israélien, tout ce qu'on veut. Mais dès que ça devient des propos un peu discriminatoires et graves, je dis non, je ne suis pas d'accord. Et il y a des jeunes comme moi, Feuge et Arabes, qui sont prêts à parler. Et heureusement. Voilà.